Bonjour. Bonjour. Moi je vous dis bonjour. Bonjour. Parce que aujourd'hui, alors, je vous propose un voyage un peu particulier. Pas vraiment un voyage. Hein. Alors oui, vous allez me dire non, c'est pas vraiment un voyage. Ce que ça veut dire, c'est l'arnaque. Hein. On va pas découvrir un pays exotique. Mais je vous emmerde bien. Même si ça se passe dans un pays exotique. Si j'ai pris la décision, j'ai hésité. Car aujourd'hui, j'entreprends pour vous la visite du parc Astérix au Mexique. Je ne vous parlerai pas du Mexique parce que je ne pense pas que ça en vaille la peine. À moins d'être mexicain. Ben ça, c'est ça, une mauvaise idée d'être mexicain. Je me contenterai du parc. Regardez déjà, donc, on arrive, ça c'est l'accueil du parc, le Porsche. Ouais, ça aide l'accueil. Le problème, c'est que les mecs, je sais pas comment ils sont organisés, ils ont foutu tout le pognon là-dedans. Donc là, on arrive, on est impressionné, on se dit, cool, je vais passer une bonne journée. Ben, regardez la première attraction déjà. Vous trouvez que ça fait parc Astérix? Moi je trouve déjà c'est pas trop dans la thématique. En plus c'est pas du tout confortable, hein. Ça se voit un peu, c'est anguleux. Moi j'avais le cul défoncé, pourtant ça dure quoi? Ça dure un quart d'heure le manège. Et puis les sensations c'était pas... Bon, c'est, si vous voulez c'est une balade quoi. Et ça c'était la meilleure attraction. Ouais, vous voyez le niveau. Après bon là on se dit tiens les mecs ils font du old school, c'est sympa, ils font des hommages. Qu'est-ce que c'est? Les vitres en vitre céramique déformante. Et c'est le fameux miroir déformant. Ça c'est moi effectivement, regardez. C'est pas pratique de faire les deux en même temps. Mais on peut constater que je suis déformé et que c'est rigolo. La main de nain, la fameuse main du nain. Derrière, donc ça enchaîne toujours, il y a un système de décor ou de village après une attraction. Il y a plus de deux attractions de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Là, l'espèce de parade, le village Astérix est là, regardez. Oh. Ouais, ça c'est beau, regardez la taille en plus. C'est plus grand que moi le truc. Quand même que c'est d'une taille assez impressionnante. Bon ça d'accord, ça c'est impressionnant, mais c'est du bois qui a été peint. C'est pas une attraction, on peut pas aller devant s'amuser, on peut juste regarder. Moi je suis pas là pour ça, je suis désolé. Moi je veux des sensations, je suis jeune, etc. Regardez là, ils nous refont le coup des miroirs déformants. Ils nous refont le coup des miroirs déformants. La première fois, c'était un hommage, ok. Ils le font deux fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils considèrent que c'est une vraie attraction qui a sa place dans un parc des années 2000. On voit le niveau. Là, vous vous rendez pas compte, j'approche de la fin du parc. J'ai fait une attraction. Et deux pseudo-attractions. Oh, là, c'était bien, là. Derrière, forcément, c'est quoi? Un truc de décor joli, voilà. Bon, c'est joli, il y en a peu, c'est sympa. À croire que c'est une exposition artistique, leur truc. Non, c'est le parc Astérix, les gars. Des petits titons. Et ça, je pense que c'est des petits fions, ça. Voilà, c'est sympa, si vous voulez, en agrément, effectivement, dans un parc. Mais quand ça remplace les attractions, je ne suis pas d'accord. On arrive à l'avant-dernière attraction, je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez. Oui, elle est statique. Pourquoi? Parce que celle-là, contrairement à celle de tout à l'heure, qui est un peu la même, est manuelle. C'est à moi de l'activer. Je sais pas si j'ai payé 4... Je me souviens même plus, c'était en pesetas. 2000 pesetas pour rentrer ici. Et c'est à moi, regardez, avec ma main. Même un personnage, je m'abîme, je me fatigue le bras pour lancer l'attraction. Le rendu est sympa, d'accord. Mais on voit bien, c'est anguleux comme l'autre, là. Ça m'a niqué les genoux et j'avais encore mal au cul de l'autre. Donc j'avais les genoux, le cul niqué. Je suis désolé, ça gâche l'après-midi, ça. Surtout qu'on arrive devant la dernière attraction. Pourtant, là, si vous voulez, dans le parc, j'ai quand même montré les attractions, mais aussi les décors, les trucs à la con. D'habitude, on n'a pas besoin de les montrer parce qu'il y a assez d'attractions pour se faire plaisir. Et là, j'ai fait le tour. Et la dernière attraction, quand je l'ai vu venir... Voilà, regardez. Ça ressemble beaucoup, hein, avec un peu de couleur pour nous faire croire. Oh, ça me rappelle des trucs, ça. C'est anguleux encore. Bon, j'ai vu ça, j'ai esquivé. Donc je me suis dit, on va continuer, bah regardez. C'est la sortie directement. Eh ouais,
c'était la sortie du parc. J'ai tout fait. Tout. Toutes les attractions, pas beaucoup. Tous les décors, assez impressionnants, mais qui remplacent les attractions. Donc voilà. Je me suis permis de vous faire cette petite... Ce petit compte-rendu, la review, comme on dit en anglais, sur le parc Astérix du Mexique, parce que j'imagine que si, dans votre vie, par exemple, vous êtes au Mexique, vous dites « Tiens, le parc Astérix, je vais y aller », vous savez à quoi vous en tenir, faut pas trop venir pour les sensations, ni le confort, ni l'amusement, parce que finalement, il n'y en a pas. Sauf si vous êtes fan de décor. Là, dans celui-là, vous allez arriver, vous allez... Mais bon, l'entrée, c'est quand même 45 euros, hein. Et puis on a le droit de rester que 3 heures dans le parc. Et ben peut-être que ce petit discours va vous dissuader et vous éviter de perdre 2000 pièces. Soit vous êtes un fan d'Astérix et vous voulez faire tous les parcs Astérix, il reste que celui du Mexique. Vous dites tiens je vais prendre les billets. Et ben peut-être grâce à moi vous allez gagner le prix du billet et les 2000 pièces. Donc voilà, je me suis permis sortir des sentiers battus pour ce qu'on appelle un voyage. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour un vrai voyage dans un vrai pays exotique qui mérite, si vous voulez, qu'on s'y attarde un peu, contrairement au Mexique. Bonjour. À bientôt pour un vrai voyage. Ah, ça déforme, hein.